Dans les marchés béninois, les produits de première nécessité ont considérablement connu une hausse de prix. À Parakou, les revendeuses se désolent de la situation malgré les explications données récemment par le porte-parole du gouvernement. Chaque jour, les choses augmentent le prix. Surtout, là, c'est devenu à 27 000, le litre à 1 500. Les clients sont découragés, ainsi que Gombo, Cuivre, tout. Cette augmentation constatée du prix des denrées alimentaires dans les marchés ont de quoi piquer les principaux animateurs. Toutes les choses sont chères. Les clients ne savent plus comment acheter. Le piment et la tomate augmentent de prix. Lorsque les clients viennent et on leur dit le prix, ils sont obligés de nous dépasser. Nous sommes embrouillés dans la vente. De leur côté, les produits comme le maïs, le haricot et même le gari sont aussi concernés par cette augmentation du prix. Avant, on achetait du gari à 5 000 francs, mais aujourd'hui, le gari est à 10 000 francs. Le haricot est quant à lui à 18 000 francs. Tout a changé. Le maïs qui était à 4 000 francs est aujourd'hui acheté à 6 000 francs. En route là pour nous, étouffées, les principales actrices lancent un cri de cœur aux autorités pour alléger la situation. Le chef d'État peut nous aider pour ça. Parce que si les enseignants, les fonctionnaires trouvent un peu là, nous aussi qui vendent là, on va trouver un peu.